3-0 au final, c'est sur le vrai, véritablement parfaitement réalisé pour Elfie. C'est vrai qu'on a très bien géré. Ma Proton était toujours très proche, elles étaient toujours à 3-4 points. Mais on a réussi à gérer les moments chauds et à finalement bien garder l'épaule et les 10 points d'avance nous a permis de gagner. Votre expérience, celle de Jones, on fait beaucoup de bien dans ce troisième match. C'est vrai qu'on a eu des moments difficiles, mais on a bien réussi à gérer. Tout le monde a aussi bien joué, on a mis des chutes importantes, des moments importants de la part de Malak ou de Camille Lucky, et ça a fait vraiment du bien à l'équipe et c'était vraiment une victoire de toute l'équipe. C'est le trophée quand même, honnêtement, le plus difficile à gagner cette saison parce qu'il y a 3-0 au final, mais on aurait pu aller à 4 ou à 5 matchs. C'est vrai que c'était le trophée le plus difficile. Finalement, on n'a jamais vraiment gagné de beaucoup contre Toron. Elles ont fait un excellent job. C'est toujours super serré, mais c'est vrai qu'on a eu un peu plus d'expérience et à des moments clés, un peu plus de chance, on va le dire. Ce qui nous a permis de gagner 2-0 et après, c'est plus facile pour le mental de gagner le troisième match. Vous avez gagné beaucoup de titres, beaucoup de trophées. Est-ce que réaliser un triplé, c'est quelque chose qui compte dans une carrière? C'est vrai, j'en ai réalisé quelques-unes avec Elias à l'époque, mais l'équipe a été beaucoup plus forte aujourd'hui. On a eu pas mal de blessures. Trois-Torrents est un redoutable adversaire. On a réussi à gagner les matchs importants, mais gagner, ça fait toujours autant de bien et c'est toujours un plaisir. Tactiquement, ce qui fait la différence, c'est quand même les rebonds et quelques balles perdues. Trois-Torrents, mauvais moment. C'est vrai qu'elles ont un peu précipité le jeu à des moments clés, ce qui les a coûté cher et on a notre nouvelle joueuse PJ qui joue très rapide, ça a coûté cher pour elle, surtout au niveau contre-attaque et des choses comme ça.